À l'instar de tous les candidats du pays, environ 500 élèves du CM2 affrontent les épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP à l'EPP Dar es Salaam 2 de Bouaké dans 20 salles ce mardi 7 juin 2022. Pour la journée, les élèves ont composé dans 4 épreuves, notamment l'exploitation du test, l'éveil du milieu, la dictée et les mathématiques. Dans ce centre, le secrétariat a veillé au respect des instructions données par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, qui stipule que les examens à grand tirage ne soient entachés d'aucune irrégularité. Les élèves de leur côté trouvent les épreuves abordables et espèrent être parmi les admis. Les résultats seront connus le 21 juin à partir de 14 h.